Savez-vous quel est le point commun entre le PPDA et Depardieu? C'est que tout le monde savait, tout le monde sait, et tout le monde s'en fout. Là, je suis en train de regarder un reportage sur PPDA, sur les fausses interviews avec Castro qu'il a fait. J'ai pas vu s'ils ont parlé de l'enfant qu'il a soi-disant ramené du Koweït, je crois, dans sa valise. Ils n'ont pas parlé de ça à ma connaissance. Ils ont parlé des agressions. Et quand je dis que tout le monde le savait, l'ancienne rédactrice disait qu'elle n'était au courant de rien. L'autre aussi. Les secrétaires de PPDA n'étaient au courant de rien. N'ont rien entendu, n'ont rien vu. Personne ne savait. Et pourtant, certaines ont porté plainte. Peut-être pas tout de suite. Vous savez, ce qui est dégoûtant, c'est que personne n'a bougé ses fesses. Personne. Personne n'a témoigné. Personne n'a aidé les victimes. Personne. Là, on parle de PPDA. Mais Depardieu, c'est pareil. Roman Polanski, c'est pareil. Ah, ce sont des stars, alors on n'y touche pas. Quoi, pendant plus de 20 ans, il a été la star de TF1. Fallait surtout pas y toucher. Par contre, les victimes, on s'en fout un petit peu. C'est le message qu'on passe. Là, maintenant qu'il est à l'article de la mort, peut-être qu'on va s'intéresser à lui. Maintenant qu'il est beaucoup moins puissant qu'avant. C'est dégueulasse, ouais. Il y a très peu de personnes qui dénoncent ce genre de personnes odieux. Comme lui, comme Depardieu. Depardieu, il a peut-être une affaire et puis tout le monde s'en fout, il sera de toute façon toujours défendu. Il est tellement gentil. PPDA aussi était gentil. Et Laurent aussi. Et pourtant, ils ont agressé. Ce sont des salauds. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout des victimes. C'est vrai. Pourtant, ce qu'ils méritent, c'est la tôle. Je dirais bien qu'on leur coupe et qu'on leur fasse bouffer, mais c'est peut-être pas très humain. Comme eux, est-ce qu'ils sont humains, réellement? Je ne pense pas. Il faut être un humain pour faire des choses aussi terribles que ça. Quant à nous, on se donne rendez-vous très très bien bientôt pour une prochaine critique qui énerve déjà le gros bec. Et j'espère qu'il va crever en tôle, ce salopard. Oups, j'ai dit un gros mot.